Vas-y, prends ta voiture. Bonjour, Vaudé. On est sur le deuxième épisode de Grounded. Avec Envy. Et on a Pitou en vocal. Je sais pas pourquoi. On a Adrien, mais il est en mort cérébrale, du coup. Bonjour, Vaudé. Comment tu vas? Comment vas-tu? Bon. Faudra peut-être trouver un petit peu de flotte. Si tu veux, tu peux. Laisse-le tranquille. Quoi? Bon, viens, on est parti, Lox. Ok, faudra trouver de la flotte sur le chemin. Bah oui, il y en a partout, de toute façon. Bah, pas partout, non. Pas partout, ouais. Non, il y en a pas partout. Oh, il y a une... Okay. Fais gaffe, j'ai le micro dans le jeu pour parler. Oh, c'est chiant. Fais pas ça, hein. T'as pris de l'eau, c'est bon? Ah, mais on entend à peine le son du jeu, je me rends compte, excusez-moi. Je me fais fort. T'as pris de l'eau, c'est bon? Non, j'ai pas trouvé d'eau. Mais il y en avait... 3 gouttes au-dessus de toi, là, il y en a une là, là. On t'es prête? Mais vous entendez pas le son du jeu, comment ça se fait? Oh non, mais elle recommence. Oh, elle recommence. Elle recommence avec son son. On va en avoir pour 40 minutes encore. Ta gueule! Ah, ça, elle m'entend. Hein. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ils entendent. Bon, viens là. Tiens. Ta gueule. On va chercher ta goutte. Ouais, je vais chercher ma goutte. Elle fait toute la map. On est parti. Viens. Vas-y, bu ma goutte. Oh. Mais c'est tout nul ici, hein. Ouais, c'est trop pourri. Je sais pas pourquoi on va là. Parce qu'on cherche. On sait oh, tu voudrais pas. Attends. Tu sais, la zone qui était toute dégagée là où on voyait le jardin de loin. C'était bien, n'empêche. On voyait tout venir de loin. Il y avait une coccinelle pas loin si on veut l'attaquer. Bah, si, c'était bien en vrai. C'était en partant de l'arbre. On était allé au chêne et en repartant du chêne, et ben on avait. Près de l'arbre, on pourrait s'installer, j'avoue, ouais. Et comme ça, on serait pas loin. Il y avait une tendue. Oui, je sais que tu vas répéter tout ce que je viens de dire. Ça pourrait être pas mal de se mettre là, hein, Lox, c'est un déteste. Non, mais après, si t'as pas les bonnes idées, tu me demandes. Non. Oh, il y a une araignée, il y a une fourmi qui attaque un pauvre charançon. Lox, on perd du temps là. Bah non. Un jeu de survie, on peut mourir de faim. T'as qu'à manger. Ou alors c'est qui a gagné sur le Stark? Hein? Je sais plus votre jeu là, Fall Guys. On joue en équipe. Ouais, je veux que vous ayez gagné à la fin. Ouais. Mais c'est chiant, il faut une nouvelle saison avec des nouveaux jeux, tu vois jamais les nouveaux jeux. Insupportable. Ah oui, c'était par là. C'était vers les rosiers. C'est en allant vers les rosiers. Allez, on avance, allez, avance là! Je suis tombé. Apprendra à faire la maline. Avance! Non, mais c'est le tri. Il pouffe dans son nez là! Il a raison, c'est drôle. Non. Ici, c'est bien, moi, je trouve. Mais non, mais ici, il y a des araignées, t'es taré en fait. Comment ça, des araignées? Il n'y a pas d'araignées ici, hein? Pas du tout, hein? Si, si, il y a des araignées. Non, dans toute cette zone, il n'y en a pas. C'est là où j'ai sursauté où t'as gueulé hier. Mais tu as sursauté. C'était exactement là. Mais non, mais il n'y a pas d'araignées ici. Il n'y en a pas. C'était exactement là où t'es. Mais c'est parce que tu les amènes ici. Mais sinon, il n'y en a pas. Non, parce qu'elle se balade. Elle se balade jusque-là, elle n'est pas là. Tiens, elle est juste à ta droite. Je la vois. Mais petit jeune, elle est loin. Bah oui, mais moi, elle m'a vu de très loin. C'est quoi déjà pour analyser? Oh, Billet Junior. Ah, comment elle est trop rapide! Oh la vache, elle a sauté direct! Oh la vache, elle est trop stylée! Qui a crié comme une femme? C'est Lox. Envy. Attends, mais tu te tapes dessus là! Je me laisse pas sur moi! Hein. Attends, je tank! Attends. Doucement. Elle a trop de vie. Oh putain, elle est là. Elle a ça beaucoup de trop de vie par contre. Attends, mais tape là. Mais j'ai plus de vie, moi. Oh, mais elle est stressante. Putain, j'ai raté en plus. Elle m'a empoisonné, cette garce. Oh, vas-y, on se barre, elle est trop solide en fait. Elle est vraiment solide de ouf. C'est une petite, mais... Elle est minuscule, super. Je suis en train de crever, ça. Je suis empoisonné. Je déteste ça. Oh non, mais elle me follow en plus jusqu'à la fin des temps, quoi. Oh merde, elle est sur moi. Sinon, on se met plus près de l'eau ou pas? Je vais pouvoir venir.
Alors t'es... Mais tu l'as attaqué dit ou pas que... Je l'ai jamais attaqué. Mais si, bien sûr que si, tu lui as tiré une flèche. Mais ça a rien à voir ça. Il y a une barre de vie dans le jeu. Ah oui, pardon, vous la voyez pas, mais faut le dire. Où je peux me foutre? Je me mets comme ça sur le côté. Elle était terrifiante quand même. Et je me mets en plus petit. C'est terrible hein, les araignées de ouf comme ça là, qui défoncent ta gueule. Je pense que je gêne pas trop. Ouais ouais voilà, en mettant ma caméra plus petit c'est mieux. Merci pour le raise. Est-ce qu'on se rapproche de la flotte sinon? Parce que l'avantage en fait, c'est que au niveau bien de la flotte... Un labo pas trop loin, tu sais où il y a un labo pas trop loin? Bah il y a celui-là. Et l'entrée elle est là, du coup attends. Ça peut être pas mal. Ouais mais près de la flotte ce qui est chiant c'est qu'on a pas grand chose. En fait, l'avantage, c'est que depuis la flotte, personne peut venir. Ils sont dans l'eau. Maintenant. Bah non, mais ils sont dans l'eau. Je veux dire, au pire, ils pourront pas accoster, tu vois. À moins que, sauf des grenouilles, mais les grenouilles, on sait même pas où elles sont. Attends. Ça peut être une strat, moi, je trouve. Peut-être sur la canette, ça pourrait être pas mal. Ah mais non, mais elle est pas vraiment plate, je sais même pas si on peut. Alors, j'aime bien l'idée. Parce que, mais faut en fait, pas ce que ça fasse bugger canette... les constructions et tout comme dans certains jeux de survie. Non mais c'est ou... pour ça qu'on aura un sol. Mais je me disais que la canette aussi normalement ça nous fournit pas des trucs non. NV il cherche l'araignée de loin et après il court en criant. Exactement. Non mais c'est une goutte de soda, ça. Arrêtez de me le critiquer. J'ai entendu hein. Je vous lis le chat, attention. Après oui j'aime bien l'endroit. On est vraiment bien en hauteur, par contre c'est pas grand hein. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça là-bas dans la flotte? Ah, non. On doit avoir des poissons. Mais attends, viens voir sur. Regarde attends. En face là-bas au loin, regarde la tête de Frankenstein, c'est quoi ça? Oui, je la voyais, je sais pas. C'est comment qu'on zoome déjà? J'ai oublié X. X. On dirait que c'est un jouet posé, et je pense que dedans il y a une maison et peut-être un labo, je suis sûr. Ouais, tu sais, genre. Ouais, c'est dedans, ça. Je suis sûr, il y a un labo. Mais bon, à mon avis. Mais j'aime trop, peu... ça donne trop envie d'aller. Un peu loin et tout. Bon, on ira, mais. Attends, on peut se construire un bordel. Bah non, mais en bas, remarque, derrière la canette, on est protégé par la canette. Et toute cette zone-là, elle est bien. Mais pour moi, faut pas être au sol, justement, si on veut être tranquille. Mais on sera... être trop seul. Ah, regarde la brique, en vrai. Il y a la brique, ouais. On va voir. Sur mais la brique, faut monter dessus, hein. Faut faire un petit peu des échelles avant. Ouais, on fait un échafaudage. Je crois qu'on peut faire un échafaudage. Attends, y'avait pas des punaises ici? Non, je vais pas souvenir. Après, t'es où? J'ai souvenir qu'il y avait rien, moi. Si, y'avait des punaises, mais de l'autre côté. Coccinelle. Non, ah non, oui, mais non, mais de l'autre côté, j'étais oui. Pas sûr de quel côté c'était. Mais là, je me dis, on fait un échafaudage sur la. En brique, et regarde la goutte, elle fait tomber des gouttes la brique là. Eh, mais même en vrai, regarde tout le bord là, on est sur de la pierre bien plate, c'est bien aussi. Hein. Ouais, mais je me verrais pas me mettre. Je sais pas, je me verrais me construire un peu en hauteur donc. Je pense que ça, on peut construire mais... un échafaudage. Mais bah, il faut. On va regarder si on peut. Parce que j'ai peur que tu puisses peut-être pas poser des échelles depuis le bas, je sais pas. Toit, on a des toits, ça c'est cool. Échafaudage de tige. Support d'échafaudage. La meuf, elle voit une fourmi, elle dit hey yo fourmi. Escalier en herbe. Escalier collimation en gland. Ah, mais par contre, ça va être chiant pour les constructions. Quoique, non, il y a de l'herbe pas si loin, ça va aller. Alors attends, on fait une entrée par quel côté? Par là peut-être? Où tu veux. Je vais chercher de l'herbe. Après, je pense que de toute façon, c'est bien d'avoir plusieurs camps, donc on peut en faire là un de toute façon et on en remettra ailleurs non, plus tard. C'est beaucoup trop complexe. Ah oui, non, mais des petits. Après, on va faire un vrai camp. Là, ce serait bien de faire un vrai camp, mais des petits, c'est pas bien que. Tiens, je vais poser ça là. Attends, j'essaie de voir si on peut. Ah, putain, on est obligé de les construire. Ah, ça va être chiant. On va devoir les construire un par un. C'est pas grave. Hein. Ok. Va falloir qu'on amène des choses. Bon, après, c'est la nuit, il fait chier. Bon, là, on farme ce qu'il y a autour. Ouais, les escaliers moi ce que je veux dire. Attends, mais les escaliers ça demande quoi? Ça demande des tiges et de l'herbe. Okay. Et des. Ouais, tout seul d'herbe. Fait chier, il vient de faire des tiges et ça c'est relou parce que tu vois, y'a pas par exemple. Près d'ici, c'est pas flou, ouais. Ah non, c'est un petit truc. Ouais, des charançons. Ouais, ça va. Ça veut dire qu'on pourra se nourrir facilement, c'est bien. Ouais, après ça y est. Y'a des zones où j'ai l'impression qu'il y en a vachement moins. Hein. Là, y'a fourmis, y'a charançons, c'est bien. Oh là c'est quoi? Attendez si je tape ça. Ah il faut que j'améliore mon... Parce que là on a peut-être un matériau encore plus solide mais il faut améliorer notre matos qu'on a déjà, enfin nos outils. Attends je crois que j'ai trouvé...
Ici du 600 lits, ouais, nickel. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? Attends, mais c'est quoi cette bestiole là? Ouais, d'accord. Fais analyser. Ouais, je suis trop loin et je m'approcherai pas. Parce que vu qu'il fait nuit, bah mais c'est... je vais me faire défoncer. Prends des photos pour le zoo. C'est vrai que pour Planet Zoo, ici il y a des idées, hein. Ça pourrait être marrant de faire un zoo où tout est immense. Mais ça doit être trop dur à faire. Mais par contre, le petit étang, le petit Frankenstein, ouais, j'avoue, pas con le mec, pas con. Il nous manque une tige. Mais ça, c'est chiant à trouver un peu. Ah non, on est là. Ouais, c'est un peu chiant. Ok, et là, on peut mettre le suivant? Ouais. Alors, copier. Oh, molette, c'est... Ah, c'est... y a des petits... Et merde, on peut pas. Incompatible. Ouais, faut forcément que ce soit posé sur... Ah non, si Non. Ah, non. Non, je supporte zéro, regarde, attends. Les constructions... On peut pas mettre une échelle? Après, il y a des supports. Attends, parce que j'ai mis... Escalier en herbe, composé de planches, machin. Il faut peut-être un support et mettre l'escalier dessus, ouais. Support d'échafaudage. C'est ça? Il y a un petit truc là. Fabriquer. Support de merde, j'ai perdu le truc. Là. Support d'échafaudage. Ah ouais, je pense que c'est ça. Et alors... c'est lesquels qu'il faut mettre du coup? Fabriquer. Il y en a plein. Non, fabriquer à partir de tiges. C'est toujours deux tiges, c'est le skin qui change. Quoi qui fait du bruit là? Pitié. Non mais j'entends une bestiole faire du bruit. Non, c'est moi. Miaou. Sans déconner. Rafâché lui. Ah, il doit être coincé dans l'arbre, du coup c'est pour ça que je le vois pas. Ah, c'est chiant. Bah je pars parce qu'il fait trop bruit. Alors t'as trouvé? Ouais, c'est bien des échafaudages qu'il faut. T'as rien sans rien quoi. Ah oh ouais, d'accord. Bah ouais, y'a pas le choix. Bah, c'est pas grave hein, ça va être l'entrée de toute façon. Bon bah nickel. Du coup, faut chercher des tiges et tout. Ouais, full tige. Faudrait commencer à chercher le camp, mais on est en pleine nuit là, je sens pas de traverser. On va admettre que ça pue un peu, non? T'as vu l'araignée en partant? Ouais, la grosse, une grosse de go. Qu'est-ce qu'elle fout à cette heure là en fait? La nuit, bah elles sont plus actives. Une araignée loup. Ouais, bah oui, la nuit elles sortent les araignées. Oh ouais, oh oh. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Oh mais y'en a deux! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle va one shot! Mais qu'est-ce que ça fait? Ah bah non, mais elle est à notre base en fait. J'étais en train de construire, elle est dessus. Elle est sur l'escalier là. Moi je les ai pas gros. Ah bah non, mais moi j'étais en train de construire. Je l'ai vue derrière moi et je suis commencé à partir et elle m'a vu. T'as eu peur? Les petits insectes, tu peux les mettre dans ton zoo, Locked? Oui, on peut mettre des insectes dans le zoo, le problème c'est que c'est forcément dans des petits terrariums. On peut pas... Nox, on se barre, on va faire passer la nuit. Ouais, et puis on va peut-être aller ailleurs, non? Elle pourra monter les escaliers, c'est que hein. La nuit. Non, mais c'est... Non. Moi, je pense que si, hein. Et on se tire. Non, on se tire, tout court. Oh putain, elle est là-bas, elles font des bruits et tout. Putain! Non mais viens, Lux. J'essaye, y'a des feuilles qui me gênaient.
Ok, du coup la nuit, les araignées loups sortent et viennent ici. C'était... De toute façon la nuit on joue jamais donc... Bah si, mais dans les save... Regarde les moucherons. Les moucherons. Les moucherons. Qu'est-ce qu'ils ont les petits moucherons? Regarde, on va pouvoir en tuer plein. Ah, c'est des moucherons ça? C'est pas des abeilles ou je ne sais quoi? Ah ouais, attends. Non, c'est un petit, on dirait des mouches. Mais ouais, ils sont attirés par la lumière. Bon, c'est vrai que les abeilles en même temps elles dorment donc... Nickel, on va pouvoir les défoncer. T'es prêt à les récupérer? Ah non, pas du tout, attends, je suis un peu loin. Ça tombe par terre. C'est rigolo. Tu me fais tomber. J'avais fait tomber un, mais je sais pas où il est. Ah, c'est fait, c'est bon, j'ai eu. Ah, j'entends un bruit, je crois que c'est une larve qui est en dessous de moi et qui fait... C'est trop lumineux là. J'en fais tomber plein en dessous. Tu les vois ou pas? Bah ouais, mais j'ai plus ma torche alors du coup j'essaye de les ramasser mais... Attends, je te jette une torche. C'est une fin de torche mais tiens. Tu la vois par terre ou pas? Ouais. En dessous de moi vraiment. Alors, tac. C'est trop bien. T'as vu un peu celle que j'ai fait tomber? Ouais, j'en ai ramassé plusieurs. J'ai fait tomber au moins 7 ou 8, je pense. J'en trouvais 5. On est en dessous de moi là, plus en dessous de moi. Go fly somewhere else, Nat. Ça, je galère à en trouver des trucs comme ça là, c'est trop bien. Bon, moi j'y vais, les coups. Des bonnes nuits, des bisous, des tout ça. Plus plus. Ouais, y'a des clans. Oui. Mais c'est pas nous. On dirait de rien. T'as une question. Ça c'est vrai. Attendez, faut pas être méchant. Bon, j'en ai tué, on oui. En a chopé assez, je pense. Là. J'en ai pas mal. Bah là, un peu, je cherche s'il y en a qui sont tombés ici, mais j'ai pas l'impression. Si vous les torches, là. Il manque quoi? Il manque trop de trucs. Il y en a pas qu'on roulait qui sont tombés jusqu'en bas là? Tu les as trouvés? J'en ai eu pas mal, hein. Pas combien, mais j'en ai pas mal. Ok, bon, c'est parti. Passer cette nuit des enfers, là. Mais du coup, on va se mettre ailleurs. Faudrait, avant de partir, qu'on ait vite fait à l'autre... La première fourmilière, on n'y était pas allé, au final. Ouais. On avait fait celle du chêne. C'est ça? Ouais. Mais okay, c'est bah, la même, on va la faire avant de... On va aller... Ah non, non, c'est pas la même. Moi, je pense pas. Je propose qu'on ait vite fait à la faire avant de déménager. Vu qu'elle est pas loin. Imagine, c'est comme il ça, si pleut, on se prend des gouttes énormes dans la tronche, on meurt. Ah putain, bah, c'est possible. Ah si, mais c'est vrai qu'il pleut pas dans le jeu. Vaut mieux. Ah, par contre, les araignées qui sortaient comme ça, là, c'était ouf. Ah, elles sont immenses. Ouais. The One en plus, tu m'as dit? Ouais. Enfin, moi, elle bien One. Les muches, oui. Envie d'un blocage, dis les muches. Non. Tu vas rompir une nuit, des bisous, Vanille. Allez, les nignés. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut déplacer les coffres directement. Ouais, on peut tout déplacer. On fait de dos? Ok, bon, attends, je mets le coffre ici. Ah, c'est cool, on va pouvoir peut-être te déménager vite fait en vrai. I'm ready to hit the sack. Elle est prête à hit the sack. Ok, c'est parti. Je dors, hop. Bonsoir à Biquette Russe. Quoi, 10h28? Bah ouais, parce qu'on dort 8h. Ouais, putain, merde. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Wars quoi. Toute la viande a pourri. J'en mets trois trucs à cuire.
Alors. Ok, on est parti, on va tout de suite à la fourmilière. Tox. Attends, faut que je mange, moi. Au pire, j'y vais, moi. Au pire, toi, commences à déménager. Ah bah non, mais t'es sûr qu'on va vraiment là-bas? Je vais pas commencer à déménager alors qu'on a plein d'araignées loups qui rôdent là-bas. C'est les pires trucs. Oui, tu mais voulais c'est pas que des la pizzas. Nuit. On... Mais justement. On pas la nuit. Non, mais si, ça va nous arriver forcément pour avoir des lucioles, des trucs comme ça. Oui, mais de toute façon, les araignées loups, à un moment, il va falloir qu'on les consomme. Oui, non, mais là, c'est trop, c'est beaucoup trop tôt. Hein, que les petites jaunes, on n'arrive pas à les tuer. Donc, non, c'est vraiment pas le bon bail de s'installer là alors qu'elles étaient littéralement au pied de la base. Moi je trouve ça bien parce qu'on est près de Burgle, on est près du Gros Chêne, on oui, est près de l'eau. Oui, ce sera bien plus tard. Et quand on sera... Non, franchement, moi je suis toujours chaud. Pas moi. Franchement, on devrait le faire. Non, non, faut aller dans un camp beaucoup plus safe en fait. Enfin, tout à l'heure, tu voulais même pas parce que c'était toute petite araignée et là, il y a des énormes araignées loups. Et tu, là, tu veux bien. Non, mais là, ça le fait, je trouve. Je suis confiant, là, t'inquiète. Non, mais c'est pas question d'être confiant, c'est qu'on peut même pas... enfin... Elles vont pouvoir monter à nos escaliers, donc c'est complètement mais con. Mais non. Oh. C'est des araignées, bien sûr que si. Il y a énormément de fourmis. Hein. Comment on fait une torche? La torche en maximètre là. Ah voilà. Ok, ça fait une petite lueur. C'est pas mal. Bon, faut y a plus je de fourmis. Ça c'est cool qu'elles attaquent pas les fourmis. Ouais, c'est cool. Bon, je me vais, j'essaie de voir s'il y a un truc utile, puis je me tire. Voilà. Comment ils vont? Très bien, très bien. On est sur notre deuxième petite session de Grandit là. On essaie de savoir où se poser. Pour le moment, on n'est pas d'accord. Oh, j'ai trouvé une larve, un œuf de fourmi rouge. Oh, c'est cool ça. J'ai trouvé les cailloux qui servaient à faire des trucs là. À faire des pierres avec zéro transforme. On a une coccinelle dans le camp. C'est trop de bruit. Ouais, en fait, ça va, les coccinelles, c'est vraiment. Ah oui, non, ils s'en foutent complet. Hein. Franchement, tant que tu les attaques pas, ils en ont rien à péter de toi. Hein. Tu peux même monter dessus, elles s'en foutent complètement. On pourra les tuer en toute violence. C'est trop, mais bro. J'arrive, faut que j'aille faire pipi RL, à tout de suite. Dépêche-toi, hein. Non. Oh, j'ai retrouvé une puce. Waouh, une puce de Burgle. Je suis dans le noir complet. Ça pue la merde. Oh, comment je sors de là? Hello, powerless ant. Ok, c'est réussi. Mission réussie. Alors.
Maintenant, faut qu'on déplace la balle. Haha! Merguez explosif. Ouais. Débloquer des trucs avec. De quoi? J'ai débloqué des trucs de poule. Ah! J'en ai profité pour prendre une part de gâteau. Regardez ça! C'est moi qui l'ai fait. J'ai vu que ça glandait, j'ai vu que ça glandait à fond. C'est moi qui l'ai fait. Bon, je vais amener tout ce que je peux, je vais prendre des trucs comme ça là. Attends, et ça on peut le déplacer aussi? Ah ouais, mais on peut déplacer directement. Mais on va où? On va là-bas. Ça sent le mauvais plan, hein. Mais non, voilà. Je connais mais je suis passé prendre à manger. On s'en fout, je veux pas la nuit, elle dorme le jour, on s'en fiche. La nuit on dort, c'est tout. Attends, je fais des flancs. Coupe un pissenlit avant de partir parce qu'il va nous en falloir plein. Pourquoi? Là, pour construire les échafaudages. Des pissenlits? Ah, c'est les tiges des pissenlits qu'il faudrait. Ah, c'est comme ça que t'as des tiges. C'est bien connu, c'est bien plus solide le pissenlit. Ouais. Morceau de barre. On a plein de duvet de mûcheron. Oui. Oui. Allez, c'est parti, je mets des trucs. Moi je m'éclaire des trucs. Les fourmis et tout, elles piquent dans les coffres. Mais quoi? Ben non. Si, si. Un conseil de chargement de jeu. Donc tes coffres, quand tu les mets pas dans des bases et tout, ça se trouve, c'est piqué. On s'est fait piquer des trucs, on le sait pas trop. Oh, faut mettre des murailles. Bah, de toute façon, on va faire notre base, oui, là-bas, on sera tranquille. Attends, faut que j'en trouve de l'eau. J'amène un coffre et, en déplaçant la structure. Un coffre et le truc des planches là, des bois. Oh, trop bien, une super base, enfin, je pense. Il ouais, y avait des trucs, il y avait des, il y avait une palette de. Ouais, je la déplace. Attends, ah, en train, regarde. Permet d'en transporter plein. C'est l'aménagement de la base. Et j'ai trouvé une cassette, une puce dans la fourmilière aussi, pour le pur gueule. Ah mais là il y a la petite araignée, elle va nous faire chier par ici. C'est officiel, c'est l'ox la meilleure. Faut la contourner quoi, c'est pas trop cher. T'es sûr que c'est par là? Merci mon Minda. En fait je crois que je suis parti au mauvais endroit. Là j'ai une énorme araignée. T'es par où Lox toi? Toi par là c'est pas bon. Et fais gaffe là-bas tout droit, il y a une énorme araignée aussi. Mmh. Là.
Oui, j'ai vu. Enfin, le tour. En fait, d'habitude, on faisait le tour, je pense. En fait, on est allé au tronc. Attends, mais on est où là? Mais non, mais c'est à droite. C'est l'arbre, non? C'est partout, c'est l'arbre. C'est par là, non? Je suis pas fou. Ouais, j'essaie un chemin là. Mais pourquoi des grosses araignées partout? Oh non, mais encore une autre là. Non mais c'est pas bon, c'est pas bon. C'était par où? Je crois qu'on va complètement à l'opposé. Non mais c'était par là. On est trop nuls. Fais gaffe, il y a une araignée là où tu vois. Ouais, elle dort, c'est bon. Ah putain, excellent. Je crois qu'elle bouge pas et qu'elle dorme, je peux même passer à côté en courant, ouais. En fait la journée c'est pas trop chiant. Mais... Ah celle-là elle dort pas par contre. Elle a l'air de... Fait chier puisque c'était une issue. Mais... Attends... Comment on a pu se foirer? On a chié. Je pense que c'est de l'autre côté. En fait faut passer plus à droite. Mais oui, c'est ça, on est du mauvais côté. Le chêne il est là. Ah bah voilà. Dis pas tout à moi aussi. Toi tu t'es fait aggro toi. Y'a un truc qui te tue hein. Oui bah j'y peux rien hein. Ok ça va. Elle m'a pas fait très mal, ça va. J'ai vu, elle t'a jeté. Elle m'a jeté de la toile. Je suis dans la bonne direction, là où je suis. Ça me stresse de fou là, on voit rien. Mais ça c'est chiant ça, faut que je coupe ça. Oh la vache, elle est là. Putain, c'est mis sur le coffre! Et qu'elle va le poser. Bah oui, mais j'amène des choses petit à petit, je peux pas non plus. Il est où le coffre là? Oh, ça me chante. Là. C'est bon. J'ai amené des trucs. On allait là-bas, nous, on allait à l'opposé. C'est pour ça qu'il y avait full araignée, full insecte dangereux et tout. Manger un coup de terre. Oh non, j'avais pas vu la petite araignée jaune. Elle, par contre, elle va m'éclater. J'ai approché un peu ça déjà. Allez, le corbeau. Non mais c'est chiant, les petites araignées jaunes elles sont autour de nous. Tu m'y joues quoi? Non, j'ai mis le coffre. Peut-être là, non? Et merde! Ah si, il est là. Putain, je crois que je l'avais perdu. Il fait déjà nuit. Après, c'est quand même bien qu'on se rapproche des purgues là. Oh ouais,
je me bats avec une araignée. Une petite? Ouais. Et juste sur notre camp, elle aussi. T'en as jamais vu ça et maintenant il y a ça. Comme ça, on a jamais vu ça. On est resté. On a rien fait quoi. On a rien vu encore. Je suis souvent allé là pour jeter les pétales et tout. Et la petite, elle était loin à chaque fois. Elle était jamais près de l'eau. J'arrive pas à la désagro tellement elle est collée. On peut pas la tuer, tu penses, non, ce genre? Bah, j'essaye. Vas-y, je vais venir. Non, mais toi, je sais pas ce que t'es parti faire. T'es parti en expédition de 2 ans. Mais non, mais c'est que j'amène 2 trucs en même temps, donc c'est 2 fois plus long. Je fais 2 fois le trajet, quoi. On va amener 1 truc en même temps. Bah, c'est pareil. On fait... Non, parce que tu serais là plus vite. Ouais, mais avec moi, elle s'éloigne. Enfin, elle reste pas loin. Hein. Elle est. Bah, faut que je te montre. Ouais, je la vois, ouais. Je la vois. Et du coup, bah, quand tu bouges autour, tu peux l'aggro, quoi. Faut qu'on la tue, quoi. Mmh. Oui, mais elle va respawn. Attends, hein. J'amène juste le coffre et. Ouais, je la vois. Elle l'a pété! Bon, j'essaie de l'attaquer. Tiens. Je vais essayer de la stun avec le marteau. Enfin, je te laisse tirer dessus pour le moment. Elle est soft lock là, j'ai l'impression. Ah, j'ai plus de flèches. Ah, j'aurais dû peut-être la laisser. Tiens. Ah merde. Oh non, elle m'a empoisonné. Faut que je bouffe. T'as plus normalement. Oh, je les stun. Tiens, nulos. Putain. Nulos, elle a fait une one, tu sais. Ouais. Elle est super. Elle a beaucoup de vie. Tiens, un bandage. Ouais, bon, et vite, y a l'araignée loup qui va sortir. Ok, on va vite dormir, on se barre. Je pensais faire des. Ah, tu veux les faire ici? On a les compos? Je sais pas. Je crois que c'est simple. Bon, viens, on se casse. C'est trop tard. C'est sûr, comme ça, sur le trajet, on peut prendre un peu d'eau et tout. Et tuer quelques bestioles pour bouffer. On a pas mal de bouffe. Ouais, mais tout est périmé. Hein. Non. Ah, les moucherons, ils ont tous donné de la bouffe. Du coup, j'en fais cure. Ah, excellent. Je suis retourné à la base. Je suis en train d'y aller. Ouais, c'est bon, ça s'allume. Donc c'est officiellement la nuit, je pense, dès que ça s'allume. On se tire. 8 pattes de moins dans les environs. Ouais, c'est vrai ça. Après, bah, je pense qu'elle respawn. Ouais, elle va respawn, mais bon. On a de la fibre de toile. C'est dommage qu'on puisse pas la récupérer la fibre comme ça juste sur l'étoile quoi. Une gueule. On est un peu loin de notre premier camp mais... Ici il faudrait mettre un marqueur d'ailleurs. Pour rappeler que c'est le... Je sais pas, c'est le truc un peu spécial. Attends. Et... Moi je fais ça. Il faut de la fibre végétale. Oh non. Ça c'est de la branchette je pense. Attends,
je tombe sur 102.2. Ah là, j'en ai là. J'en ai là. Trop réveillé, impossible de dormir avant 22h. Ok. Ce sigle. Il y a de la bouffe dans le troisième, le quatrième coffre, le quatrième petit coffre si tu veux. Voilà. Oh, ça met. Hop. It's pretty good. Ok, vas-y, j'en boufferai pas plus. Je vais... Ah oui, on peut pas. Ok. Mais ouais, on peut pas encore. Bonne grisou. J'essaie de récupérer ce qu'il y a dans les coffres, un peu. Ouais. Voilà. Ok, ça... bon, je suis rempli l'inventaire. Et après, faudrait mettre. Ah, faudrait remplir cet inventaire-là. On peut peut-être laisser les lits et le feu ici, ça nous fait toujours un petit pied-à-terre utile. Ouais. Vu que c'est très facile à faire. Pour... Je pense qu'on pourrait. Faudrait reconstruire un autre coffre et tout mettre dedans. Comme ça, on le déplace. Moi, t'es... je peux prendre des trucs, j'ai pas beaucoup. Ah, il faut des coquilles de gland, je sais pas si on en a. Ah non, putain, les adultes. C'est de la viande pourrie, tout ça. Oh, je vais l'acheter. Non, non, garde-la, garde-la, ça, tu peux l'accumuler en plus. Je peux en faire qu'un seul stack. Non, non, ça m'a débloqué des crafts et tout. Ça sert à quelque chose. Ok. T'as des coquilles de gland sur toi? Non. Merde. Faut qu'on en prenne en allant. Bah, à l'arbre, parce qu'il y a plein de gens là-bas. Ouais. Non, mais surtout qu'il y en a dans le coffre. Mais les petits coffres, déjà, j'ai pu tout prendre. Y'a plus rien dans les petits coffres là. Ah, y'a plus rien dans les petits? Ouais. Oh bah, attends, on annule là. Ouais, j'avais de la place. Ok, ok. Bon, on les détruit. À dormir, dans une heure, on pourra dormir quoi. Appuie sur N là, près du gros coffre. Faut que ça stack les trucs ensemble. Alors. Ça a pas mis grand chose à part une branchette ou deux, je crois. Ouais, mais ça peut. Moi, ça me fait gagner un slot, tu vois. Moi, ça va, j'en ai encore 5 ou 6 des slots. Là, du coup, alors, ça va. C'est chiant à faire un établi. Non, mais c'est pour ça qu'on déconstruit, on va pas s'emmerder à l'amener. Attention, réveil, vas-y, on dort. Ah non, 22h, bah c'est bon, je peux pas. Regarde. Avant 22h31. Oh, ouais. Putain. Donc ça, on peut mettre ensemble. Ouais, c'est pas mal, les duvets, les trucs. Je regarde ce qu'on peut. On peut consommer, tu vois. Trop vénère. On laisse ça là, les trois trucs, c'est bien. Ouais. Et juste, je mets plus la maison, je mets juste le drapeau, voilà. Ok, on peut dormir. I am sleepy. No joke. Après, je vais manger un truc, ça va me perdre un inventaire de toute façon. Ça va me faire une glace. Ah, 6h35, c'est bien. Là, on est bien. Oui. C'est quoi ce délire? Une araignée, une fourmi qui est coincée. Bah, tu t'es coincé comme une île. Bon, ninon. Bon, je vous fais. Tu veux que je déplace le coffre? Consommer. Hop, voilà. Bon, bah, je déplace le coffre. Ouais, tu peux déplacer le coffre, je vais arriver, j'essaie de prendre tout ce qui traîne. We've got a soldier ant over here. Oh mince. Ok, bah c'est là, bon. Là, il y a de la flotte, je vois avant. Feeling refreshed. C'est où l'arbre? Je sais même plus où c'est. Là-bas. Là où il y a les branches rouges.
J'ai de l'eau au passage, il faudrait que j'en prenne un peu. Mmh. Oh, il y a un escargot. Attends. Une coquille d'escargot ici. Pour faire un truc. Pas l'impression. Faut choper du gland sur le passage, c'est ça? Non, il y en a dans les coffres là-bas. Oh bon, bah, c'est bon. C'est juste pour faire un coffre et transporter plus de choses. Mais du coup, on a pu tout prendre. Donc vers les rosiers! Je pense quand même que c'est pas un super emplacement. Mais bon, on verra, hein. Je trouve que t'es médisante. Je suis ni médisante. Juste, il y avait des araignées. Ah, mais on peut transporter 7 planches d'affilée, enfin, 7 trucs, c'est fou. En armure de fourmi. Ah, marrant. Je pensais que le transport en plus, c'était des cases dans l'inventaire. Ok. Du coup, alors, fabriquer. Échafaudage. Deux tiges à chaque fois. Ah. Ok, je crois que c'est les derniers. Tu peux les remplir si tu veux. Ouais, oh ouais, je suis en train. Ok, nickel. Ok, donc là on est bon, on est à niveau. On verra bien. Narnia va péter un truc en bas, toi, toi. Bah ouais, je vois un peu comme ça, ouais. Je trouve que t'es trop médisante. Alors, voyons voir la vue. Peeping goggles equipped. Alors, comment qu'on fait? Fabriquer. Fondation en argile, fondation en gravillon. Trop stylé ça. Taking a look around. Ah mince, il nous faut encore. Merde. Bon, j'ai cherché des pissenlits. Faut que tu refais une colonne de. Pour faire une dernière colonne en fait. Une colonne? Ouais. C'est d'échafaudage. Oh, on va la mettre où? Là. D'accord. Faut juste qu'on soit ça, je vais aller chercher des tiges. Là, je pense qu'on en aura pas assez. Après, on pourra faire le sol et tout. Déjà, ça va marcher? J'en sais rien du tout. En fait, la dernière fois, on avait fait une base au sol et que c'était pourri. Les araignées pétaient nos portes et tout. Oh, moi, je me souviens qu'on avait un peu galéré. Est-ce que ça sera mieux? J'espère, mais je ne sais pas dans le fond.
pissenlit, le détruire. Je vais voir si c'est des tiges ça. Je pense pas, mais je vais voir. Oh mince! Prendre des dégâts nuls. Ok. Pas mal comme ça. On est pas mal. Quoi? Qu'est-ce qui est trop cool? C'est sous l'eau, c'est trop cool. On voit un gros tétard qui fait. C'est trop cool. Trop hâte d'explorer sous l'eau. Ouais, c'est chiant un peu. Essaye de le faire depuis le dessus peut-être. Essaye, je t'en mets. Pas en moins un ou deux. Je vais essayer aussi. Là, on optimise. Je vais sauter, tant pis. Ouais, ça me fait rire la strat. Et paf, bouffé par une grenouille. Mais oui, oui, c'est pour ça que je restais très bien au bord. Hein. Je restais très proche de la branche et tout, et alors, là où il n'y a pas de profondeur. Fabriqué, et là je voulais mettre un sol. Je sais pas comment on fait. Pour entrer. Plancher en herbe, voilà ça. Il faut de l'herbe du coup. Putain, mais ça prend automatiquement ce qu'on a de proche, c'est juste incroyable. Oui, je pense, hein. Ok, et maintenant, je vais faire un demi-escalier. T'as pas un pont ? Demi-escalier. Ou alors tu fais un toit en trèfle. Comme ça, on peut passer sur le toit, ça suffit. Ah, c'est bon. Et là, c'est là où on va tester, voir si c'est faisable. Quoi ces gros blocs? C'est le... Le sol quoi. Ah, c'est si balèze que ça? Sinon on peut pas mettre des trucs lourds en fait. M'approche. En fait il y a écrit combien ça supporte. Supporte 5. Jusqu'après je sais pas s'il faut mettre des trucs en dessous ou pas. Merde j'ai des trucs. Est-ce que fabriquer en bas échafaudage, est-ce que tu mets des échafaudages en dessous? En bas on peut mettre un truc pour que ça supporte, tu sais. Attends, on va le construire déjà celui-là. Ah mince, il y a de l'argile. Il y a de l'argile dans un des coffres. Ah, t'as pu le mettre. Voilà. Argile. On va juste mettre ça. De l'argile. Rangement en proximité. Hein. Ah voilà, c'est bon. En fait, si t'as assez proche de ton rangement, de ton, ça marche. Et que je monte le coffre. Voilà. Non, 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 c'est bon. Enfin, pour le moment, c'est bon. C'est juste que je veux voir s'il faut mettre un truc dessous, tu sais. Si on peut mettre une fondation en dessous ou bas. Donc là, ça vole un peu. Ouais. On peut mettre une autre fondation en dessous ou pas? Non. Ah, je pense savoir, putain, ouais. Ouais, on va faire comme ça, on n'aura pas trop le choix. On va faire comment? On s'en fout, ça nous permettra d'être en l'air. Bon, on va faire du... Tu peux amener un coffre en haut, en fait, sur la plaque d'argile. En fait, de l'autre côté, on fera une autre. Bah là, en face.
Je vais refaire des échafaudages en dessous, tu sais, pour que ça monte jusqu'à cette plaque d'argile. Je pense. Je vois que okay. Ça. Hein. Fabriquer, échafaudage en tige. Ah, mais je sais pas. Ouais, bah ouais. J'ai utilisé mon shift, ça peut marcher. Là ça marche, nickel. Ok, bon, bah voilà, bah maintenant, maintenant on a plus qu'à build quoi. Il faudra se faire un plancher en feuille du coup. C'est ça, c'est juste le... Ah, il faut un plancher en plus? Ouais. Pourquoi? Je sais rien, c'est comme ça. Non mais là, tu peux... C'est quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Puisque là on peut déjà construire des trucs dessus. Pour faire un étage de plus. Comme ça on pourra faire un étage. Bah mince. Quoi? Et si Alok? Bah mon pigeonnier il marche plus. Oui il a une usure. Ah voilà. Ah il était plus équipé. Il a une usure mais j'en ai plusieurs. J'avais fait bien, bien géré. Plein d'argile. Voilà, c'est pas la surface, ça me paraît pas énorme, mais c'est un bon début. Non? Oui, oui, je sais pas. J'avoue que vu que ça a l'air de flotter un peu, j'ai peur que ça bug. Mais on verra. Il faudra des tiges quoi. Mmh, j'y vais. Il me faudra des tiges, donc je vais aller en chercher aussi. Bon c'est pas mal, en même temps là on pourra faire bien notre truc et tout, on pourra mettre nos... On va prendre un peu de la place, et en fait finalement, c'est une bonne idée de venir ici parce que je trouve qu'il y a plein de... Il y a quand même pas mal de variétés ici, pas mal de choses. Donc juste un petit peu les arbres de base, mais bon au pire... C'est pas très loin tu vois. Oui, et puis ça c'est qu'au début, après on n'a plus jamais besoin quasi. Oui, normalement, au bout d'un moment... Ah, juste pour construire quelques trucs nouveaux qu'on aura débloqués, mais c'est tout. C'est ça. Ouais, un pissenlit. Et pissenlit, voilà, tu peux... Tiens, on peut te construire la planche là, au sol. Mmh. Oh, merde. Oui, t'as vu la punaise? Non? Où ça? En allant vers un pissenlit, j'ai vu une punaise au loin. Après, on la voit de très loin, donc... Non, c'est que j'arrive pas à récupérer le truc parce que ça, c'est... Je vais faire agresser, donc j'ai trois morceaux de pissenlit. J'en pète un autre. Ok, c'est un pissenlit. Ah là, il y en a un. Ah oui, d'accord. C'était là que tu parlais. Putain! J'ai plus tendu. Mais tape! Ah, tu l'as vu? Viens, on va vers un autre. Ouais, je l'ai vu, c'est pas ça. Ça fait bader. On va aller vers des pissenlits plus safe. Par ici. Oh là, il y en a un là, là. Il y avait une punaise ici carrément. Punaise, j'ai l'impression qu'elle se balade de ouf en fait. Enfin, il y en a certaines à des endroits, mais. J'ai l'impression qu'elle se balade aussi pas mal quoi. Bah, on l'avait pas vu avant. On l'a jamais vu. Allez, un petit. Ouais, juste là, là devant moi. Ouais. Merde, c'est par où? Là-bas? Là-bas. Surtout que tes punaises, à peine elles te remarquent, elles te foncent dessus, elles sont d'une violence. C'est...
Comme les araignées loups qui t'empêchent de choper. Encore les araignées loups, je pense pas, parce qu'elles se baladaient en fait. Elles t'ont juste aggro parce que tu t'es retrouvé sur leur chemin, mais. Elles se baladaient juste à la base. T'avais même pas la musique d'attaque et tout, quoi. Tu l'as eu au dernier moment. Ouais, mais bon. Balader très proche, quoi. Du coup, on va en mettre. Ah, mais attends, tu sais que c'est peut-être pas mal. Tu sais qu'on peut mettre des pièges, je crois, dans le jeu maintenant. Ouais, ouais, on pouvait déjà, il me semble, avant. Ah, on pouvait déjà? Ok, j'ai pas souvenir. Je me dis, bah en vrai, avec des pièges, ça va être quand même pas mal. Comment ça, super construction? Super construction? Ah, je sais pas, sur eux ça me dit ça des fois. Ah, je peux transporter 8, regarde, c'est écrit en bas à droite combien on peut transporter. Ah oui. Grâce à l'armure fourmi, c'est 8, donc c'est 5 de base plus 1 par slot d'armure. Plus qu'un. J'ai réussi à même pas perdre de vie, incroyable. Okay. Et je me demande si on peut faire un escalier en colimaçon de ce côté-là. Oh, il y a une abeille. Un bourdon. Il est là-haut. Tu le vois? Attends, je comprends rien à ma construction. Il est parti. Lui, il est là. Comment il nous attaquera? Petit bourdon. Ah, tu crois enfin un escalier en colimaçon? Je vois. Bah, j'imagine que t'auras pas le choix. Non, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir de monter de ce côté-là, mais ça peut être pratique en vrai. Ouais, ouais. Moi, j'arrive pas à le placer bien, ça va galère. Ce serait joli. On est trop proche. Attends, je le détruis. Super construction. C'est une super construction. Bon. C'est tout calme tous les deux. Tu peux lui mettre. Ouais. Il y a toujours des trucs ou pas? Oui. Tu peux les mettre sur l'escalier? Colimaçon. Nickel. Et là, faut que je le fasse partir de l'autre sens, en gros. Non, c'est trop proche. Ah oui, non, là, c'est là. Non, mais ça, c'est une galère. Ah. Bah non. Sinon, non, tu mets... J'ai... Ah, ah, j'ai merde. Pour miroir. C'est bon, j'ai pour miroir, ça, c'est ça. Il tombait. Il nous manque des glands. Voilà, il est construit. Bon, c'est parfait. Ah ouais? Ouais, c'est bon. Enfin, faut le finir maintenant, mais... Il nous faut du gland. Bah, je vais en chercher. Y'en a pas dans les coffres, pas assez? Je sais pas, ça prend pas dans les coffres, donc j'imagine qu'il y en a plus. Ok. C'est fou ça, que ça prend dans les coffres et tout. Ah, c'est trop bien. J'ai vu ça, c'est écrit sur le menu, là. Quand tu lances le jeu, il y a écrit construction à partir du stockage. Mais ça devrait être dans tous ces jeux là, c'est tellement chiant sinon. Bah oui, putain, inventaire plein, chier. Ah, tu sais que même dans Disney Dreamlight, okay, hein, c'est comme ça. Hein. Ah, ça va chercher dans tes coffres de chez toi et tout. Ah ouais, genre c'est trop bien, peu importe où tu construis. Et en soi, bah c'est pas réaliste, ok, mais qu'est-ce que c'est vachement un milliard de fois mieux.
Bah c'est ça en fait. Le truc c'est que si tous les jeux étaient réalistes, ce serait chiant en fait. Enfin, bah 100% oui. Réaliste, ça ferait chier aller tout le monde. Aller chercher dans les coffres à la Minecraft, c'est quand même très très lourd. Bah ouais. C'était sympa il y a 40 millions d'années, mais maintenant... On a une petite base pour le moment, mais bon. Ok. Est-ce que du coup... Attends, je vais rechercher dans les coffres quand même. Pour voir s'il y a plus... si les glands ça va. Je construis et je mets des plaques au sol. Mais tu sais, sans les construire et je marche et je tombe. Tu veux un truc de pissenlit? Comme ça tu pourrais faire shift. Non, c'est bon. Non mais j'en ai en plus. Juste que quand t'es en train de build, j'avais pas envie de lâcher le truc. T'as joué un jeu trop réaliste. On peut faire dans la vraie vie. Ça se tient, ça se tient. Ouais, c'est clair. Hein. Non, mais souvent, c'est sous couvert de réalisme que des jeux de survie vont être un peu fastidieux sur des conneries comme ça. En mode. Alors qu'en vrai, il faut bien le doser si on te fait chier. En fait. Ouais, clairement. Et c'est vrai que le fait d'aller chercher automatiquement dans les coffres, c'est quand même un truc. Y a pas dans beaucoup c'est de pas jeux. Un truc très grave, c'est du et gain c'est de temps. C'est trop bien, pas quoi. Non plus, c'est pas la mort, tu vois. On parle d'un gain de temps un petit peu, bon, c'est ok. Est-ce qu'on se ferait pas des lits pour vite dormir? Ouais, peut-être c'est ce qu'il vrai. Faut pour faire des lits ou pas? Oh, je sais pas, faut que j'aille voir. J'ai ramassé des trucs de gland. Mais oui, ce serait bien. Ah, putain, terre planche. Oula, si ça dépasse un peu, ça va être un peu chiant. Mais je fais que tomber. Alors, je vais voir pour faire des lits. Il y a un bourdon qui est au-dessus en tout cas, mais ça a pas l'air agressif les bourdons. Alors, le lit, c'est où déjà? C'est peut-être pas là-dedans, c'est peut-être plutôt là-dedans. Abri. Il me manque... Non, c'est bon. Oh, je vais reposer. Alors, on va récupérer un peu des trucs. Oh, on a des choses, on en a trop. Genre des champignons, on en a peut-être trop, non? Ouais, peut-être, ouais. Je vais juste garder une ligne, peut-être le reste. Ça va un peu gêner celui-là. Non, celui-là. Ah bah tu l'as enlevé. Oui, c'était un peu... ça gênait un peu pour monter. Ouais, j'ai le truc qui vire un peu. Ah, on manque de gravillon, incroyable. Attends, les champignons, je les tèche parce que... On verra si on en stocke plus tard, mais là, pour le moment... Mais ici, c'est chiant. Ça gêne plus qu'autre chose. De quoi? Quand on repart vers l'arbre, il y a un endroit où des feuilles sont trop rapprochées pour qu'on passe. C'est super chiant. Je vois. Tu me vois, hein? Ça je récupère, ça c'est l'huile, les machins, les duvets. Ah, donc je peux mettre ceux-là aussi, ça peut être cool. Et après dans l'autre cas je vais mettre toutes les trucs de bestioles. Voilà. Les trucs qui périssent pas. Les saloperies de bestioles. Hop. Là, ce qui... ah, ben, là si là on a des testicules le truc. Ok. Il faudrait que j'aille chercher un peu de gland vite fait. T'as récupéré un tout petit peu de glu? J'ai mis tout de suite. En fait, je cherche des gravillons.
Bah bon, on va peut-être dormir, non? On a pas mal ici des gravures, mais on va dormir. Ouais, je veux savoir si t'avais pu les construire, les trucs. Oui, oui, sur le végétaire. Ok. Ah bah vas-y, go. Ok, bah on est bien, là. Ouais, ouais, bah il faudra juste voir si ça... ça fonctionne face aux gros insectes. Ça a l'air de tenir, en tout cas. Alors, un energy. Ah, j'ai pas créé mon point de réapparition, moi. Une super base. Oh, il y a une pomme rongée. Ah oui, j'ai des morceaux de pommes d'ailleurs, tiens. Il faut que je récupère des choses un petit peu. Alors, j'ai besoin de boire. Ah, attends. Est-ce qu'il a créé une boute? Ah, moi aussi, j'ai besoin de boire. Ouais, je crois que le matin, il a créé une boute. Ou pas. Peut-être pas instant, hein. Attends un peu. Après, l'eau de la mare, c'est de l'eau croupie ou pas? Ouais. Oh merde. Bon bah déjà, je vais chercher à boire. Après, on pourrait se mettre des récolteurs d'eau et tout, je sais pas trop comment ça marche, mais j'ai vu qu'il y avait ça. Ouais, vous en aviez mis avec Didi, la... Vous avez mis un, mais j'ai jamais... il a jamais marché. Mais oui, peut-être les mettre en dessous d'une tige, genre, pour que l'eau tombe dedans. Je sais pas, faudrait que je regarde, ça doit être des... Spider, la description, comment ça fonctionne. Bon, je prends des glands un petit peu. Ouais, j'en ai sur le chemin aussi. Attends, elle aime les glands. Elle fait les flancs. Ah oui. Espèce de psychopathe. Je sentais que la version était pas bonne. Un peu partout. Je vais essayer de trouver... Putain, il faut de l'argile. On a moins d'argile. Allez, Lox, il faut de l'argile. Allez, Lox. Mais je sais pas où tu as trouvé, toi, l'argile, hein. L'argile, c'est dans la flotte. Dans des petites mares, j'en trouve, des fois. Et dès que j'en trouvais, j'en prenais, je vais aller en chercher. Je laisse récupérer des glands. Ouais, ouais, ouais. Moi, je cherche aussi de l'eau, moi. Je ramènerai 8 trucs de pissenlit au passage. Mais je passe sous les... Aïe 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 aïe, je me fais attaquer par une larve. Je savais même pas qu'il y en avait à... Mais quoi, il y en a jamais eu ici, je connais parfaitement cet endroit. Saloperie de larve. Bon, j'ai plein de trucs sur moi, alors j'ai pas osé y aller, mais je voulais trop aller explorer la tanière des araignées loups pendant qu'elles font dodo. J'y suis un peu allé, elles m'ont pas dit de te repérer. Bah, je pense qu'il y a moyen. Hein. Ouais. C'est peut-être même le meilleur moment pour y aller. Ouais, bah, après, je sais pas si y a grand chose d'utile. Il y a peut-être de la science. Bâché. De la science. La science, tu vas découvrir poste de recherche. Ah bon? Ah oui, un petit poste de recherche ici où il est tout caché. Ah, il y a peut-être des trucs dedans, vas-y, récupère. Possède de la science. Hop là, truc de ressources. Bah y'a rien. Bon, moi j'ai soif, hein. Par contre là, je commence vraiment à avoir super soif. Une canette là-bas. Vas-y, je suis sûr qu'il y a une goutte dans la canette. Ah, canne de coke. My parents never let me have soda. Oh non, il y a pas de goutte dedans. Ou alors, oh, il y a des araignées loups là-dedans. Oh, c'est pas une araignée loup, c'est quoi? Araignée jaune. Ah, c'est rigolo. C'est quoi les araignées jaunes? Vas-y, scanne-la. Enfin, j'ai jamais fait. Ah oui. Ça fait quoi? Enfin, c'est lesquelles, disons? Elles ont un nom chelou, je crois. Attends, c'est quoi? C'est eux. Orbitel. Orbitel. Okay. Bah, le problème, c'est que là où je suis... Pas de goutte d'eau.
mais je m'éloigne encore là. Ouais, je vais arrêter d'éloigner. Par là, l'arbre. Ouais, je trouve un peu d'argile. On est bon, on est bon. Y a pas de coude sous les feuilles. Si je bois de l'eau coupée, hein, tant pis. Hein. Un pissenlit et une mouche qui est venue se suicider sur. Elle a pris le coup qui était destiné au pissenlit. Très maligne. Bon bah je vois de l'eau coupée, je fais choix. Ça fait quoi en termes de. Ça fait ça. D'apport, ça te donne quand même un peu d'eau. Ouais, ça donne moitié de l'eau par rapport à une barre complètement vide. Et ça te met un petit debuff qui te fait que t'as faim pendant quelques secondes. Donc t'as la faim qui descend très vite, mais que pendant quelques secondes. Donc c'est déjà passé. D'accord. Donc franchement, ça va. Il y a des fourmis vénères qui se baladent, elle vient de dire. Ah bon ? C'est marrant. Le mot utilisé. Ah oui, c'est une fourmi soldat. Ouais, elles sont vénères. Qu'est-ce qu'elle fout ? Vous êtes allés chez nous encore ? Dans notre camp, le petit ou le grand ? Quasiment, ouais. Juste mais c'est parce qu'elles sont tirées par les coffres, c'est sûr. Ouais, mais y'a plus de coffres là. Ah, mais elles sont peut-être tirées par l'écran en général, quoi. Ouais, c'est ça, et s'il y a des coffres, elles te piquent des trucs. Oh, c'est ça. Parce que c'est vrai que même la coccinelle, elle était dans le coin alors que bon. Bon, je me fais de la bouffe. J'avais un truc à bouffer, c'est parfait. C'est cuit et je mange. Mais voilà. Bon, je voulais récolter. Ah oui, je pense qu'il y a de l'argile ici. S'il m'abuse, je ne me. J'ai entendu le corbeau. Ah, il est ailleurs. Il y aura un truc avec ce corbeau. 100%. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'il fait tomber des plumes à des endroits. Ah. Et on peut pas les ramasser puisqu'on n'a pas une hache assez bonne, mais c'est une ressource quoi. Ok. Est-ce ouais, comme c'est... les dents, ça fait partie des ressources qu'on va pouvoir avoir ouais, plus au bout tard. D'un moment. Notre camp est là-bas, ok. Bon, je vais faire le tour. On va mettre une balise à notre oui. camp. Tu sais. Je vais faire ça. Ouais. On mettra des drapeaux juste sur les petits camps si jamais on en refait. Oui, oui, ça va être utile. Ah, les vénères, en fait, la souris sauta, c'est de buter les moucherons. Les moucherons. La quoi ? C'est une scène. J'ai pas compris. La fourmi Zelda essaie de buter les moucherons. Ah, c'est compliqué. Bah oui, elle les regarde et ils sont en l'air. Ah non, celui-là, elle est vénère si en mode tu te poses. Ouah, c'est toi, je vais t'attraper. J'avais tu vas pas faire le truc de comme si t'étais allé plus loin de ce que t'étais allé plus près. Non mais... Exactement. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas. Faudrait ramener des herbes pour les futures constructions un peu. Au pire, remplir, ramener le truc qui est au camp, le balader, tu sais, couper full herbe, le remplir. Ouais. Ouais, des petites herbes pour faire des. Oh cool! Ah, il y a une goutte de jus qui est tombée. Les ah, donc trucs... c'est,
C'est bon à savoir, c'est ouais. Tous les jours, ok. Je le demandais quand même. Je te rassure quoi. Je te rassure. Je te rassure. Les petites cordes. Il est parti où l'oiseau, j'ai entendu s'envoler. Enfin, il est parti, mais j'ai entendu ses ailes battre très fort. Ah la galère. Enfin, des fois, les puissants ils tombent. Ok, ça va. Mais en vert, en bleu pour dire que c'est près de l'eau. Allez. C'est une merveilleuse idée. Oui. Ah, elles sont toutes. Ouais, c'est super. Bon, attends. Tomber un pissenlit et tout est en l'air super haut, bloqué dans les herbes. Je suis allé fort. Je vais avoir peur là. Non. Crie pas trop fort. Oui, je suis d'accord. T'es prêt. En fait, j'aime tellement l'aveugle. Je sens que je vais avoir peur. Et je me trompais, je me dis, je vais tomber nez à nez avec la. La putain de punaise et ça va me surprendre, genre. Mais c'est bon. Fais du bruit un peu, ouais, ça va. Non, des fois, elles font pas de bruit. Hein. Tu tombes dessus, tu fais allez, vas-y. Elle te tue là. C'est gentil que je tasse, mais là je suis avec Envy. En vocal. Mais oui, moi aussi j'adore Grillon. Ah, c'est des gravillons qui me manquent un petit peu. Ah, c'est très bon. Gentil. Allez, les chercher. Bon, on est pas mal, Lox. T'as des idées pour voir comment on se build un petit peu et tout? Ah, pas trop, non. J'ai envie de dire, on va mettre à contribution ton expérience Zootopia là. Oui, non, mais clairement pas. Moi je fais de la de l'esthétique, pas du fonctionnel. Waouh, bah tu feras les deux. Non. Waouh, ma signe. Non plus de stream. T'es puni. Oui, non, mais je dis ça au cas où pour pas que tu confondes avec que la personne avec qui je suis en vocal, c'est pas Grisou. C'est ça que je veux dire. Mais c'est très gentil. On peut faire des trucs de dingue. Parce que parfois les gens pensent que la voix d'Envy, c'est la voix de Grisou ou de Royal ou je ne sais quoi. J'ai récupéré un peu des cailloux. C'était juste pour préciser. Parce que faut bien qu'il y en ait qui bosse ici, hein. Moi je récupère un max de gland. Oui oui, j'ai bien vu que ça se baladait, ça prenait des photos en selfie, j'ai bien compris. C'est bien mon genre ça. Mais c'est pas avec des selfies qu'on refait une base. Sauf qu'ils sont très grands et qu'ils servent de mur. Oh, il manque encore de l'argile. J'en trouve. Il y en a bientôt. Et j'ai bientôt fini. Alors. Tu crois qu'il y en a dans la flotte de l'argile? Ouais, mais attends. Dans les temps, je parle. Il y a rien dans la tanière des araignées. Ah ouais? Je pense que pas trop, parce qu'en fait, sur toutes les bordures, c'est de la pierre.
Donc je pense que... J'ose pas les dents. Il y a des grenouilles ou pas au final? Ah, il y a un... On n'est pas vu. Mais j'ai vu un tétard. Mais les tétards, ils s'en foutent de ta gueule. Ok. Les ditiques, ils ont l'air agressifs, ils avaient l'air l'autre jour. Ah, les ditiques, je pense que ouais. Ils te chassent, je pense. J'ai récupéré des algues, on verra bien ce qu'on en fout. Et j'ai pas l'air de voir de... Non, mais en plus, je vais jamais... Non. Faut que je vide mes poches, puisque mon inventaire est plein. Oh, ouais, ils sont trop vénères. Les ditiques. Ouais. Mon dieu, quoi. Tout est fait pour te faire stresser dans le jeu. Ah, y a, je suis tombé néané avec plein d'araignées, mais j'ai pas eu peur. Bien! Mais c'est parce qu'elles font dodo. Ouais, elles ronflaient. Ouais, c'est. Du coup, maintenant je sais qu'il y a ce concept, ça me. C'est un peu. Ça va. Franchement, ouais, hein, tu peux même marcher normal à côté, s'en foutre. Oui, oui, bah, hein, ça sera. Réservé aux tariés. Hein. Réservé. Tu peux même leur taper dessus, elles s'en foutent, tu peux tester. Est-ce... Il y a zéro risque. T'as pas trouvé d'argile à tout hasard? Trouvé une toile d'araignée. Si, j'en ai déposé un petit peu là, mais pas beaucoup. Et il reste plus que. T'étais fait une pelle ou pas? Parce que je me souviens plus. Ah non. Je t'avais fait peut-être. Non, j'en ai trouvé. Bah, en fait, j'en ai trouvé dès qu'il était tombé, je ne sais où. Avec des cailloux à côté. Du coup, je vais récupérer. Tu fais une pelle, hein, vas-y. Ouais, je me fais une pelle, hein, vas-y. Faut que je fasse. Ah, il faut aller à l'établi pour se faire une pelle. Ah, après, vu que ça prend directement maintenant, c'est pas trop chiant. On va sûrement build l'établi direct. Je sais pas si on a des herbes un peu. On n'a pas des herbes. Moi j'essaie de chercher un petit peu de, bah de... d'argile et voilà. Après, je vais revenir. Il me faut des branchettes. Des pierres aussi. On est sûrement plein dans un coffre des branchettes. Ah oui peut-être. C'est même sûr. Ah t'avais mis le truc, t'avais mis le point de repère ou pas? Ouais. Je le vois pas, c'est une maison bleue. Attends, je suis à quel endroit là? Mais putain! Ok. Eh ben, voilà. Je suis d'accord. Allez, c'est un petit peu. Bon allez, je me tire. Un bombardier de ces morts. Je trouve que ce jeu m'aide à mieux comprendre des insectes. Tu trouves? Ouais, ils sont tous dégueux et faut les tuer. Ah, franchement. Au début, je me demandais à quoi ils servaient, tu vois. Maintenant, j'ai bien compris. C'est dégueulasse. C'est bien. De la merde. Pas mal le côté éducatif. Ah, mais au moins, on sait. Nous sachons. Il y a des parasites qui se mettent dans des insectes pour se faire bouffer par des oiseaux parce que. Ouais, mais faut ça, c'est horrible. Que... Hein, voilà. Ouais, mais viens. Le... Satan est dans les insectes, je le dis. On dirait qu'il aime les boucher. La tienne, elle est gentille avec les groin-groin là. Ouais. Les acariens, je sais plus quoi. Les charançons, les acariens, c'est les bouffe-têtes. Ouais, bon, t'as compris, on a compris. Non, c'est pas la même chose. Les charançons, ils sont gentils, les acariens, ils sont méchants. C'est vrai que c'est mignon à Charançon, c'est les seuls insectes que j'aime bien maintenant. Les autres, mais au moins je sais que je joue avec des tout petits insectes comme ça quand j'étais petite, maintenant je sais ce que c'est. Avant je croyais que c'était une petite carédée. Ici y'a... Y'a un ditique dans une flaque d'eau. Ah oui c'est possible. Mais il se balade comme un fantôme chelou. Hein. Ah c'est chelou il ditique hein. Ah, c'est vraiment de la merde. C'est ce que je te dis, voilà, les insectes nuls, les ditiques dans c'est trop petit. Bien les ditiques. Non, c'est trop mes bros. Je crois que c'était des saloperies de créatures, on était ouf de jouer avec. Mais non, c'est inoffensif pour les humains. Non. Mais si. Mais par contre, je crois que ouais, ça bouffe des trucs et tout. Je pense que ça peut te niquer une mare en vrai. Je suis pas sûr, mais je crois. Ouais, exactement.
Mais on s'en fout. Si on vivait dans une piscine pleine de chlore, c'est bien qu'il y ait un problème avec cette bestiole. Ouais, non. Hein. Ils survivent pas. Ils survivaient dans les petites piscines à la con où il y avait zéro chlore dedans et. Non, mais des fois j'étais dans les grandes. Ouais, des fois. Ouais. Des fois, sais, quoi. You know, Lox. Et moi j'aime bien quand on en trouvait des énormes. J'avais l'impression qu'on avait des petits poissons. Ouais. C'était trop bien. Des drôles de goût, Lox. Non, c'était bien. Avec Manon, on avait un bouquin sur les insectes et on regardait ça. Bon, je reviens, Lox. Non. Faut pas que tu quittes trop longtemps, puisque c'est un jeu de survie, je te rappelle. Non, mais je reviens à la base. Ah, je croyais que t'allais faire pipi ou caca. J'ai analysé des algues, et ça. Oh, trop de chiens, ce jeu. Le corbac. Du coup, c'est cool, j'ai pas mal de... d'argile. J'ai pas trop de pierres, mais bon. Il y en a pas loin, donc c'est bon. Putain, le corbeau, pourquoi tu cries? C'est le corbeau qui... Putain, j'étais en mode, attends, je vais pas m'approcher du bruit parce que c'est... je sais plus quelle bête. J'arrivais pas à reconnaître. T'arrivais pas à reconnaître le croissement du corbeau? Ah si, mais oh, dans le jeu là, j'étais en mode, attends, c'est quelle créature, tu vois? C'est un bouffe-tête, c'est une sauterelle, une punaise... Un peu tout ça. En fait, non, c'est un corbeau. Même à notre échelle, il paraît grand quand même. Ah ouais? Ah ouais, en effet! Regarde par rapport au petit kiosque là, un petit truc. Ah, c'est vrai qu'il est badass, putain la vache, il est beau! Ah, c'est marrant quand même. Attends, ce qu'il y avait en colimaçon, c'est good. Ah non, je vois que c'est pas fini, je vois que ça glande. Ta gueule! Désolé. Put a poncho label on it and kids would probably drink this up. Call it swamp cooler? Non, le truc d'insecte c'est là-dedans. Ah ouais, ça va être la bouffe, je pense. Hop, hop, je prends. Pollen, peut-être pas du. Ça, c'est des morceaux de gland, ça se mange. Connant. Morceaux de baie, les pommes, on les fout là. Pollen, non. Ok. Et voilà, Lox, c'est construit. We did it. Ça, c'est les bestioles. Tout ce qui est lié aux bestioles, on va foutre là-dedans. Voilà, il manquait juste des cordes pour finir l'escalier, c'était chiant. Et tout fini, hein. C'est dû arrêter son live, il a mis son micro. De quoi? Ah, Dilo, d'accord. Ah, son micro, il l'a lâché. Peut-être la GoXLR qui a déconné, un faux contact, un truc comme ça. Parce que la GoXLR, si tu la touches à peine, c'est un bug très connu, et ben c'est pas rare qu'elle s'éteigne. Enfin, genre, qu'elle s'éteigne, mais qu'en tout cas, ça mute tout. Ce qui n'a rien à voir avec le Pokémon. T'as des glands encore, Lox? Je sais pas. Je crois que j'ai tout mis, mais j'en ai peut-être encore un petit peu. Je suis partie boire à
au bureau, regarde, j'arrive. Au labo, je veux dire, parce que j'en avais marre. Voilà, je reviens. Je me dis, on a de l'eau proche aussi avec le distributeur à eau du labo. Ouais, bah c'est pour ça que je suis allé. Plutôt que de se faire chier à chercher des gouttes. Ça va. On est à 150 cm. T'as besoin de bouffe ? Ouais. Ah, il est là-haut, le corbeau. Il y a des pop. Ah non, il y en a. Et moi j'ai fini le coffre. Ah oui, c'est ça que je voulais. C'est ça que j'en voulais. Je vais rechoper un petit peu de truc. Bah voilà, tirez maintenant. On peut enfin jouer. Faudrait juste de l'herbe quoi maintenant, c'est ça un peu. Je sais pas, faudrait voir si on fait des parois. Ouais bah oui je pense. De toute façon l'herbe ça sert sur plein de trucs. Mais après il y en a là, on a juste à couper tout ça ici. Lumière verte derrière, on dirait un monde alien. Mais oui, j'aime bien moi aussi. J'aime bien les éclairages verts. Ça change un peu. Là, je te mets à cuire deux rôtis de charançon. C'est rien que pour toi. Oh, merci. Bon, bah maintenant, je sais pas trop comment faire la suite de la base. On va faire un étage, non? Ah bon? On va pas tout de suite. On va faire un établi, non, puis non, mais on va explorer. Comme ça en bas on met. Oui, non mais ce que je veux dire c'est qu'à terme on fera un étage, je pense. Ouais. Les rôtis sont prêts, tu peux les manger. Ok, enfin je fais l'établi. T'as fait une jolie barrière de coffre. Étage. Voilà, faudra le construire. Tac tac, merci. On fait tuto ? Ouais, je peux me faire un peu de place. Ah, ça me saoule quand j'appuie sur en déplacement. Ouais, ça moi aussi. Le truc. Vas-y, on peut dormir. Hop, hey, dormir. I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer. Voilà. En fait, si on dort trop tard, ça décale trop la journée. Bah oui, c'est ça. Puis j'ai pas hâte de savoir si les araignées loup, elles peuvent ou pas nous. Ouais. Bah, nous ça la me base. Dérangera moins de tester quand on sera plus près, quoi. Attends, clavier, what ça the fuck. Confle la mort là, ça tourne le truc. J'ai vu notre base sur l'écran de. Commande de construction E, faire pivoter. De lever de soleil. Ah, voilà. C'est bien, ça marche pas du tout. De construction. E-A. Apporte la puce à Burgul. Mais je vais parler, ça a pas marché. Je vais essayer de lui apporter la puce. Ah, mais j'ai faim. J'ai soif. C'est moi qui ai trouvé, peut-être c'est à moi. Moi j'en ai trouvé une. Elle a une diamélior, une pierre d'armure, mais faut savoir. Ça change tout le temps d'objectif ce truc. Ah si, ça y est.
avant. Elles font dodo assez tôt. Elle rentre à la taverne. À la caverne. Et je suis morte des araignées loups dans le labo puisque bah en fait elles étaient pas tout à fait couchées quand j'y suis allée. Et du coup elles passaient devant la porte. Et j'attendais mais il y en avait 3, je pensais qu'il y en avait que 2. Voilà. Faut que je vienne te raise ou c'est chaud? Oh bah j'imagine que... Oh t'es bien mais là ça va être compliqué. J'ai 10 secondes. Bah, je vais... Oui en effet. Désolé. M'abandonner. Après si tu restes ici t'es juste à côté. Et on a l'établi, c'est cool. Et je peux manger, du coup, c'est encore plus cool. J'étais parti boire mon petit coup de flotte au labo. Et voir si Burlgur, là, il y veut mon truc. Bon, bah, il devrait être couché. Ça va, petit Gweno, et toi? Nous, ça va, on est sur Grounded. Un jeu de survie exceptionnel. En fait, les coccinelles, c'est les seuls qui ont pas un bruit dégueulasse. Elles font un petit... Roux cool, quoi. Plutôt mignon comparé aux autres. C'est pas les seuls après. Ouais, je suis morte empoisonnée dans la base. Ah, mais elles sont deux en plus. Elles sont trois. Elles sont trois en fait. Ouais, je pensais qu'il y en avait que deux. Et en fait, bah, il y en avait une troisième quand je suis. Alors dans la caverne, pourtant, on a que deux. Donc il y en a une qui doit être cachée un peu ailleurs. Ah oui, il fallait que je parle à machin. Il est où machin? Il est là. Ah bah voilà, c'est bon. Ah regarde si on peut apprendre un truc bien. Ok, on a des nouvelles recettes. On a 3000. En plus, peut-être qu'il y a un truc bien. Regarde ce qu'il y a d'intéressant. Si et où c'est ça? Ah ouais. Ah on a 3000. Ah déjà on a une quête, donc je vais apprendre. Fabrique des lunettes asticots. On offre 500. Alors, cuisine 101. Combine différents ingrédients pour préparer de bons petits plats. Waouh, il y a au moins 5 fourmis en dessous, au pied de notre base. Ah, elles sont attirées par les coffres. Putain, il y a 5 fourmis. Elles ont défoncé un petit puceron. J'ai eu peur. Elles défoncent tout, du coup, elles attaquent tout. Ouais, non, mais c'est pas normal qu'elles soient là, clairement. Hein. Il y en a. Et là, elles se barrent. Ouais, mais au moins elles ont pas cassé les structures. Moi, c'est surtout ça. Elles ont pas attaqué, ouais. Non, elles peuvent pas, je pense, elles. Économie de bandage. Bandage en fibre nécessite moins d'ingrédients par unité. Ce gland peut accueillir jusqu'à 6 gouttes de liquide, mais c'est à toi de le remplir, du coup. Non, ça va. En appliquant le choc répété au tige, je vais enlever tes émutes et ton endurance maximale augmente. Ok, ça peut être intéressant, endurance maximale. C'est quoi les autres choix? Alors là on vient d'avoir je crois cuisine 101. On l'avait pas avant. Ça permet de faire quelques plats qui donnent plus d'endurance, des petits bonus. Le bonus bien nourri, le bonus repas, le bonus endurance ou feuille morte. Je sais pas ce que c'est mais ça nécessite une cuisinière. Ou un truc, enfin une vraie cuisine en fait. On a un truc économie de bandage ou gourde améliorée. Un truc de respiration vigoureuse qui nous permet d'augmenter notre endurance, mais ça ne dit pas de combien. Après, des trucs, mais il n'y en a pas assez. Fortification, c'est quoi? Un mur en planche d'herbe renforcée avec des tiges. On peut peut-être faire ça. Je peux débloquer des fortifications. Tu préfères quoi, toi? Après, d'autres trucs. Il y a bouclier humain. Ça peut être intéressant. On peut le débloquer bouclier humain. Tous les muscles de ton corps sont ainsi intendrés à l'échelle moléculaire, ce qui a pour effet de déverrouiller une nouvelle mutation qui augmente ta santé maximale. On a plus de santé. Ok, bah.
Pourquoi pas? Oh, détecteur de ressources, mais détecteur de ressources, c'est 5000. Ouais. Moi, je tout de suite. Les murs, c'était pas mal. Ouais, les fortifications, ouais. En vrai. Allez, je prends. Même si la santé max est cool aussi, c'est certain, mais. Hop là. Non, mais ça, on pourra le faire plus tard. Ah oui, pilier et tout. Oh la vache. Ouais. Porte palissade, mur robuste. Ah, c'est. Bah, on va faire ça. Là. Bah, oui. Surtout s'il y a des araignées. Des trucs qui commencent à errer en dessous de notre base, là. On va pas les attendre. Je me dis, si on se fait une gourde, peut-être qu'on pourra la remplir au refroidisseur d'eau qu'il y a dans le labo. Oh putain, essaye de faire des gourdes et de tester ça. Bah ouais, mais carrément. Je crois que je peux pas en faire maintenant. Attends, je vais à la table, je vais voir ce qui nous manque. Lanterne. Oh putain, on peut faire une lanterne. Oh oui, elles sont stylées. Leurre. Oh, on peut faire des leurres. Et oui, je viens de voir ça aussi. Ah, oh, attends. Avec de la chair de tétard pour distraire les prédateurs les plus imposants. Ah, c'est cool. Avec de la chair de tétard. Ah, un casque bulle. Pour respirer sous l'eau. Ah bah il nous faudra ça. Ok. Mais les gourdes elles sont où? Ah, gourde c'est dans le truc. Ah, la podastico, c'est ça que j'ai pas. Oh, je crois qu'on en a un peu. Ou alors on peut aller enfin. Bah c'est juste devant, faut qu'il fasse une pelle. Ouais, j'en ai une. Ah, c'est ça les smoothies, rage liquide et tout, décuplera ta force. Ouais. Éternuement shinobi. Un nuage de pollen qui. Putain, bah oui. Éternuement shinobi. Non mais c'est. C'est dernier quoi. Ah, il y a une araignée jaune qui est près du camp, qui est près du labo parfois, en pleine journée, donc faut faire gaffe. Là j'en suis sortie et je l'ai vue de loin arriver vers le labo. C'est abusé. Ouais. Là on est quand même dans une zone un peu dangereuse. En tout cas plus que l'autre quoi. Oh, y'a la goutte. Du coup, je vais regarder si on peut les faire. Et je vais voir si je peux... Oh non, on a que 2 podastico sur 3. C'est dommage. La goutte, tu peux la prendre, la goutte de soda, moi je suis full. Ensuite, t'as besoin, sinon on laisse, on attend. De toute façon, on va pas des pop. Non, j'étais pas full donc c'est bien, mais ça donne pas énormément en bouffe. Ça aide un peu. Viens, on va par là, ouais. Ouais, il me faut des asticales. Enfin, ah, avec le rangement rapide, on va pas hésiter. Je vais faire plus de coffres. Ouais, et, tu mets un deux stacks de tout. On se frappe. Ouais, voilà, je vais mettre 2-3 stacks par coffre parce que bon, ça fait un coffre sinon, mais. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que tu mets un objet un peu partout là, et comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je m'exprime mal. Ouais, je sais. Je suis désolé. T'as bien l'action par là. Y'a pas des asticales ici? Bah, si, si, je pense, c'est pour ça que je te pose, je sais que c'est alors, par là. Alors, bah, je viens. En général, c'est dans cette zone là. Trop mignon. Oh, y'a encore une goutte de soda. Bah, je vais la prendre. Ça fait quoi quand ça fait tout? Ça veut dire que tu t'es... Ah, j'entends une. T'es près de la science, je pense. Quoi c'est cette comment herbe on qui bouge de comment fond on fait? Ah si, c'est bon, j'ai réussi. Astico. Ah, t'as trouvé? Moi j'en ai trouvé un. Mais en fait, okay. Ouais, mais quand en fait je suis à la pile poil où je suis, ça me fait ça. Comme quoi, ah oui, un truc à découvrir. Ah d'accord, oui, je comprends comment ça marche. C'est de la science à découvrir et tu t'en rapproches. Plus les bulles elles sont proches, plus elles sont remplies de violet, tu te rapproches. Une fois que t'as les trois, c'est que t'es à côté. D'accord. Il y a des trucs que je les ai jamais trouvés. Hein. Là je m'éloigne. Là, je suis... Ok. C'est vraiment à chaque fois que je vais ici, je vais aller de l'opposé, on va voir. Ah là je me rapproche. Par là je m'éloigne donc ça se par là. En fait faudrait plusieurs asticots pour retrouver pour faire d'autres duvets. Oui bah oui c'est pour ça. Comme ça on fait d'autres gourdes. Et j'avoue ça peut être assez pratique quoi. T'étais un mec qui allait prendre une fois de temps en temps, tu rentres tout et zou quoi. C'est we did it. Je cherche la science. On avance pas dans le jeu mais on se donne du. On se met bien, confort. Ouais mais c'est le mieux dans le jeu de survie je trouve. Après, au moins, tu continues sereinement quand tu vas explorer, t'es pas en galère quand tu rentres à la base, tu peux te régénérer, machin.
J'ai pas envie de rusher moi un jeu comme ça. Prends le temps. Ouais, c'est bien. Là, je sais qu'on a 1000 trucs à découvrir. Ça me fait plaisir. Oh, j'ai trouvé plein de trucs pour les asticots, visiblement. J'en prends un autre là. Maintenant, je vais faire patience. Il y a deux. Parce que j'ai pas tombé, c'est sur les larves là. Il y a simplement pas de larves. Ils sont à notre merci les asticots quand tu les sors. Ouais. C'est un peu méchant. Un peu méchant. C'est bon, c'est pas mal, tu vois. Ok, donc je vais reconstruire comme ça. Ok. Non, mais ça rend ouf, je trouve absolument pas. Enfin, je trouve les larves et tout. C'est juste qu'il y a un endroit qui me dit qu'il y a de la science pas loin, mais c'est. Ouais, il y en a un que j'ai pas trouvé, il est pas loin de l'arbre. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé. Ah, je Attends, je peux pas la réparer, cette arme. Sur un charançon, il y avait deux planches de bois de pissenlit que je suis en train de couper. J'étais en train de me taxer, quoi. Est-ce que c'est... Je me demande juste, il avait vraiment l'air de se déplacer avec. Est-ce que c'est le tombé sur la gueule il et se déplacer avec, c'est trop marrant. Ou est-ce qu'il m'en a taxé deux, je me pose la question, tu vois. Vas-y. Enculé, quoi. Tiens, là, des charançons, là. Tiens, voilà! Nigne ton nez, nigne. Le problème avec les nez, quand même, les filles. Non, c'était le tien toujours. Hein. Ouais, oui. C'était ta nana hein, qui. La manana, mais la tienne, elle en parle souvent. Pas. Elle en parle, mais moins méchamment. Mais elle ouais, en parle, c'est mignon. Fixette, tu vois. Il y a un amour du nez, il y a un truc. Il n'y a pas de petit chamel. Un peu. Ok, bon. Bah, j'ai trouvé quand même des larves. Je peux en faire une sur moi, une gourde. Ouais, hop. On fait une. Ma hache est là, abîmée. Hein.
Quand je coupe les pissenlits, je coupe après la petite tige qui reste parce qu'elle donne plein d'herbe, c'est trop cool. Ah si, c'est là. Ok, ouais, on peut remplir la gourde avec le refroidisseur, enfin le truc d'eau dans le labo. Ok, il y a combien de chapeaux, une gourde ? Deux, pas beaucoup. T'as vu sur l'arme un peu plus haut, il y a des champignons, on dirait des girolles. Moi je pas fait attention. Ah oui, c'est les arbres. Oui, d'accord. Mais c'est pas des girolles. Arrêtez d'attaquer les charançons. T'as vu ? Elles étaient pas là quand on est arrivé au début. À mon avis, nos coffres sont bien protégés, les arbissons. Ouais, et puis du coup elle nous donne de la bouffe parce qu'à chaque fois elle ne mange pas la bouffe. Ouais. Bon, j'ai ramené encore des herbes. Donc faut pas hésiter à ramener un peu d'herbe si tu peux. Mmh. Bon, j'ai ramené des pissenlits. Comme ça on finit un peu la base et puis on s'en va, on va explorer. Faudra ouais. Améliorer une pièce d'armure. Mais ça, je sais pas comment faire. On peut réparer aussi des trucs. Ouais. Comment on fait ? Ça dépend des objets, mais certains te le proposent en appuyant sur R. Dans l'inventaire. Ah merci. Ouais, elle est réparée. Bon, alors fabriquer, fabrication, plancher de tir, c'était quoi que tu avais trouvé? Demi-mur en l'air, mur robuste. Ah ouais, oui, il y a Didi qui l'a pas regardé. Quoi? Je regarde les Didi. Et punaise d'eau! C'est ça que je déteste.
Mais le poisson, c'est un faux poisson. Ouais, je pense qu'on a rien à craindre du poisson, c'est un faux. Ah, c'est un faux. Ouais, je pense, il bouge pas du tout. Mais attends, tout. Viens. Ouais, ouais, j'ai eu envie, désolé, ça fait trop longtemps. C'est surtout que ça sera endgame ce truc, hein. J'en suis sûr. Bon, oh, pas forcément, hein. Pour le moment, l'eau c'est chill, hein. Ouais, mais à mon avis. Endgame. Ouais, moi, finir de construire ces trucs-là et puis après, on fait des trucs. Je vais arrêter la VOD ici. Il ouvre la bouche quand même, le poisson. J'ai pas vu ouvrir la bouche, si. Il va prendre des serres. Faudrait essayer de voir pour améliorer une armure.